tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo food test, donc oui je vais vous en faire une. Elle va pas être très longue, j'ai pas énormément de food test du mois, enfin oui du mois. Mais on va commencer sans plus tarder, je voudrais pas que les vidéos durent trop longtemps. J'ai testé les Danette mousse vanille comme ceci. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Je l'ai même pas. J'ai mangé une cuillère et j'ai pas pu le manger. C'est beaucoup trop sucré pour moi. J'ai celle au chocolat que je préfère. Mais ça, je vous le recommande pas du tout. C'est trop sucré, trop chimique, trop ce que vous voulez. Ensuite, on a terminé les crèmes de volaille comme ceci de chez Waco. Alors, ça, c'est bien pour vous faire une petite soupe instantanée. C'est pour une personne, ça suffit amplement. Voilà. J'en achète de temps en temps. Voilà. Donc c'était crème de volaille, elle était pas mauvaise. C'était pas ma préférée, celle aux asperges est meilleure. D'ailleurs, elle va arriver dans les prochains... Je vais vous les présenter comme ça. Vous voyez, la crème d'asperges, elle était très bonne. Et il y avait des petits croutons. Donc les petits croutons, faut pas s'attendre à des miracles, il n'y en a pas 50. Mais franchement, c'était très bon, ils étaient très bonnes. Je vais faire donc 4 mugs avec. Ensuite, j'ai pris le gratiné d'oignon et croutons. Il était pas mauvais également, voilà. Et la crème de champignons qui est pas mauvaise également. Voilà. Ensuite, on a testé les palais fromagers camembert. Comme ceci. Donc ça, on les a mangés avec une salade. C'était pas mauvais, franchement, c'était bon. Ça change un peu de toutes les choses qui existent. Ensuite, alors ça, on n'a pas du tout fini. C'est les cornucops. De chez Action, alors c'est absolument pas bon du tout. Ça a goût du plastique, enfin une cata. On a terminé les pâtes fraîches et mentales et chorizo de chez Saint-Jean. Elles sont pas bonnes du tout. J'ai pas du tout aimé mon chéri non plus, donc on rachètera pas. Ensuite, j'ai terminé le tartare et sa sauce de chez Charal. Donc je l'ai acheté en promo parce que enfin, la date c'était une date courte. Et franchement, c'était pas mauvais, ça change un peu. Je m'en rachèterai de temps en temps, voilà. Ensuite, j'ai terminé les chocolates duo Dipper. C'est les petites cuillères de chocolat que vous achetez chez Action. J'ai pas du tout aimé. J'aime pas le goût que ça a. Je préfère un petit cacao. On a terminé le mélange forestier, bolet jaune, lactaire, pleurote, volvert, foliote et armillière. Voilà, de la marque Repère. J'ai bien aimé. Donc ça, je rachèterai sans souci. On a fait une sauce aux champignons avec. Ensuite, on a terminé les burgers rustiques charolais et cantal. Donc ça, c'est au sauce aux deux moutardes. Je l'ai acheté à Leclerc en promo. Ça dépanne, mais c'est pas extraordinaire. Donc je rachèterai peut-être, peut-être pas, je sais pas. Ensuite, on a terminé la blanquette de poulet à la crème fraîche. Donc ça, j'améliore toujours, ça dépanne. Quand on n'a pas envie de faire à manger, etc. Donc ça, je vous recommande. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des petits sachets de pop-corn comme ça qu'on trouve chez Action, comme des paquets de chips en fait. Ça fait une portion, ça suffit amplement. J'ai pris des salés, j'aime beaucoup. Et on a acheté également les sucrés. Ensuite, on a pris les Happy Cherries, donc c'est halal. Ça, on les a trouvés à Carrefour. Mon chéri aime beaucoup ces bonbons et moi aussi. Ensuite, on a terminé les Rice Fusion and Indian Chicken Tikka Masala. C'était pas mauvais. Après, je sais pas trop ce qu'il en a pensé, mon chéri. Moi, j'en ai goûté une. Donc, voilà. Ensuite, on a terminé. C'est un rôti de porc farci au bleu et noir. Je l'aime bien, il n'est pas mauvais. Je préfère par contre l'autre que je vais vous présenter. C'est le porc farci fromage et poitrine fumée. Ça, je le rachète assez régulièrement chez Carrefour. C'est très bon, ça change un peu en plus, donc c'est un très bon goût. Et pour finir cette vidéo, on a terminé les girasoli, potimarron et champignons. Voilà, de chez Lustucru, c'est des nouveaux. Et ça pareil, j'achète quand c'est un promo généralement. Et c'était très bon, ça change. C'est un peu un goût sucré, mais c'était très bon. J'en ai racheté, j'en ai encore en frigo. Donc voilà. Voilà pour mes food tests du moment. C'est une vidéo qui a été assez courte, hein, mais bon... c'est vrai que je teste pas trop de choses en ce moment, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.